Donc c'est une opportunité parmi beaucoup d'autres, hein, on pourrait choisir. Mais là, pour un début, c'est pas mal ce mouvement, parce que ça va vous permettre de faire connaissance avec les projections avant en douceur. Ça va vous permettre d'amener le partenaire sur le tapis en exécutant une technique qui s'appelle Ogoshi, au grand Goshi hanche, au grand de hanche. On va se servir des hanches pour basculer le partenaire et l'amener au sol. Là, je fais exprès de choisir des cas typiques, hein, une parade intérieure, c'est pratique, Maïgeri, c'est pratique pour se rapprocher du partenaire. Là où ça se complique un peu, justement, on se rend compte, c'est facile quand on regarde, mais c'est pas si évident que ça, c'est la suite. Donc là, je crochète, jusque-là, ça va tout seul, je suis à distance, Maïgeri, et je me sers de ce Maïgeri pour justement venir placer pied droit intérieur, pied droit, et pied gauche, il ne va pas là. Le pied gauche, il doit revenir. Pied droit, pied gauche, mes deux pieds sont à l'intérieur des pieds du partenaire. Ok. Et quand je reviens directement en légère flexion sur les joues. C'est cette flexion sur les joues qui va me permettre de sortir les hanches. Si je suis tendu, si j'ai les deux jambes tendues, c'est impossible de sortir les hanches. La seule solution pour sortir les hanches, c'est de descendre sur les genoux de manière à sortir les hanches, et donc je vais pouvoir là tranquillement, en douceur, le basculer sur les hanches. La main qui saisit le bras, c'est sa sécurité à lui. Cette main qui saisit la manche, on ne va pas la lâcher. Je le bascule en douceur et je la contrôle jusqu'au bout. À aucun moment je relâche. Ok ? Alors, la grosse difficulté, c'est de ramener pied gauche, intérieur pied gauche, légère flexion sur les genoux pour sortir les hanches. Un crochet, ça va tout seul, ça va tout seul, pied droit, pied gauche. La grosse faute, c'est justement de rester trop mal, trop droit, et de repousser avec les fesses. Là, on va faire l'effet inverse, on va le repousser. L'idée, au contraire, c'est de basculer sur l'avant. À la fin de mon taille, ça va être, je suis déjà en flexion, les hanches sortent. Je n'ai qu'à le basculer. Je garde le contrôle pour l'instant. On pourra faire plein de choses après. Pour l'instant, je me contente de conserver le contrôle. Mais très important, c'est ce contrôle de la manche qui va amortir en partie la chute du partenaire. Enfin, pour l'instant,